Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25? TTP est là pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode review, Preview excusez-moi de The Trick Play épisode Big 12 100% Big 12 avec deux équipes aujourd'hui. Alors on sait que la Big 12 s'est étendue un petit peu partout. Euh, on avait ces conférences très centralisées à l'époque. Ensuite, il y a eu West Virginia qui est quand même assez à l'est, qui était le plus à l'est. Et depuis la saison dernière, nous avons UCF également, Central Florida du côté d'Orlando en Floride. Donc, et euh, eh bien dans un premier temps, je vais vous présenter UCF, puis dans un second temps, West Virginia. Démarrons avec l'équipe du centre de la Floride qui a eh bien sorti une saison 2023-2024 à 6 victoires pour sept défaites. Trois victoires pour six défaites en conférence, avec des victoires face à Kent State, Boise State, Villanova, Cincinnati, Oklahoma State qui était classé 15e au classement Hippie à ce moment-là, et énorme victoire 45-3 face à l'équipe de Stillwater, et puis Houston. Des défaites face à Kansas State, Baylor, Kansas, Oklahoma qui était classé 6e, mais défaite close parce qu'Oklahoma a remporté ce match 31-29, West Virginia et Texas Tech. Donc, 3 dans, dans ce, ce cumul, il y a trois défaites à moins de deux points. C'était euh, voilà, On n'est pas passé loin du côté du l'UCF, euh, surtout pour la première saison en Power 5, Power 5 à l'époque. Et puis, euh, du coup, bah, si Victoire équiva est équivalent à un Bowl, le Gasparia Bowl du côté de Tampa Bay avec ce match face à Georgia Tech, est bien perdu. 17 à 30, très belle saison de Georgia Tech. On en reparlera quand on fera leur bilan. Au niveau du coaching staff, eh bien, ça va être la quatrième saison pour Gus Malzan, qui en trois saisons cumule 24 victoires pour 16 défaites. Gus Malzan, vous le connaissez tous, ancien head coach de Auburn. Euh, il a remporté la SEC deux ou trois fois, il me semble. La SEC West trois fois et la SEC deux fois. Il a remporté le titre national avec Auburn. Coach avec une expérience inestimable pour un programme comme UCF. Il garde ses deux co-offensives coordinateurs. Et puis, il a deux co-défensives euh, coordinateurs cette fois-ci avec une arrivée, celle de Ted Roof, qui a une expérience énorme en college football, 37 ans euh, dans les pattes. Il s'était dernièrement le défensif coordinateur d'Oklahoma sous Brent Venables. On sait que Brent Venables est un coach euh, défensif. Il avait fait ses preuves du côté de, de Clemson au poste de DC. Donc voilà, c'est Ted Roof, euh, s'il l'avait pris avec lui, c'est un, bon, euh, un bon DC. Au niveau des commits, c'est la 39e meilleure classe du pays pour 17 joueurs commits, la deuxième meilleure classe en Big 12. Et ça, c'est important. Alors oui, tu n'as plus Oklahoma et Texas dans l'équation, mais la Big 12, ça regroupe d'autres programmes très intéressants. Voilà En termes de recrutement, ces derniers temps, à de tête. J'ai qui, Colorado, par exemple, qui est là euh... Pardon, il, y a, il y a pas mal de programmes qui peuvent, qui peuvent être compétitifs en, en termes de recrutement, mais UCF s'en sort très bien. Il y a trois joueurs, quatre étoiles d'ailleurs. Et puis, c'est un recrutement qui est exclusif en, en Floride et en Géorgie. Hein. Ça n'a pas été trop cherché ailleurs. Il y a peut-être un ou deux joueurs, mais c'est tout. Euh, voilà, c'est très centré, très centré sec, notamment. On sait un petit peu que Just Malzane a évolué. Euh, dans tout, euh, bah dans tout ce, cet environnement pendant très longtemps. Donc euh, finalement, on ne déroge pas trop à la règle. Et puis, il y a aussi pas mal de bons joueurs. Vous savez, encore, je vous le dis à chaque fois, mais par exemple, un État comme la Floride est un des meilleurs États, un top 3 des États de, de college football, avec le Texas et la Californie, en termes de joueurs lycéens. Non, alors, top 3 des États, oui, en termes de joueurs lycéens, excusez-moi. Euh, ça veut dire qu'il y a plein d'ultra bons prospects qui partent évidemment dans les grandes powerhouses et tout, mais derrière, il y a aussi plein de bons prospects qui restent et qui... UCF profite de ça. Donc euh, très bien joué au niveau de, la, de cette classe de commit 2024. Au niveau des transferts, c'est la 22e classe du pays pour 27 transferts. Et oui, comme l'année dernière, UCF compte absolument sur les transferts. Il y a neuf anciens joueurs 4 étoiles, énormément de joueurs originaires de Floride En qui fait, repartent chez eux. Il y avait pas mal de joueurs qui étaient partis dans d'autres États jouer pour des facs. Euh, hors Floride et puis qui reviennent à la maison je pense aussi que ça fait partie du leitmotiv de, de Gus Malzahn hein, dans, dans son recrutement voilà on va parler un petit peu de l'effectif et comme d'habitude, dans un premier temps, l'attaque avec, bah, John Rhys Plumley, le quarterback qui est parti en NFL chez les Pittsburgh Steelers. Plumley, vous vous en rappelez, un ancien quarterback d'Olmis également. Euh, il jouait un bon niveau au baseball aussi. Il jouait pour la fac de, enfin, pour UCF au baseball. Il avait enchaîné une fois un match de foot, un match de baseball. Enfin, c'était assez marrant à voir. Voilà. Exit. Plumley, euh, et puis on a deux très grosses arrivées sur le portail en retour justement. Et une que vous connaissez très bien parce que c'est le quarterback senior KJ Jefferson qui arrive d'Arkansas. Et oui, après trois saisons à 7500 yards, 64 touchdowns, 17 interceptions. 1750 yards et 17 touchdowns à la course qui est JJ qui arrive avec un énorme bagage donc assez surprenant de le voir quitter Arkansas on sait que Gus Malzahn il a démarré sa vraie carrière de coach en, en tant que coach lycéen dans l'Arkansas puis ensuite il a, je ne sais plus quel poste il avait mais il avait un poste assez important aussi chez les Razorbacks euh, voilà, peut-être qu'il y a des connexions encore qui restent, mais en tout cas, euh, ouais, très très belle addition pour un, un programme comme UCF avec un joueur totalement confirmé. Et derrière, on a une deuxième arrivée, c'est Jacory Brown, le quarterback qui venait de l'État de Georgie hein, quand il était lycéen à l'époque, donc on reste un petit peu dans ce domaine-là, euh, qui était du côté de Miami la saison dernière. C'était un 4 étoiles de 2022, il a un peu d'expérience sur le terrain, il va être très intéressant à continuer de développer et à avoir en backup. Au niveau des receveurs. Vous connaissez Javon Baker, et ben il est parti à la draft chez les Patriots. Exit Baker, et on garde le deuxième meilleur wide receiver euh, de l'équipe, qui est aussi un des gros noms du College Football à noter pour la saison prochaine. Kobe Hudson, il sort d'une saison à 900 yards et 8 touchdowns. Très très intéressant. On a encore une fois du renfort sur le portail des transferts. On a quatre arrivées sur ce portail, dont l'ancien joueur top 100 de Texas, Agui Hall. Alors à Gale, je crois qu'il y avait eu des petits soucis extra-sportifs, etc. On ne l'a pas trouvé sur le terrain, mais c'était une très grosse recrue à l'époque pour les Longhorns. Au niveau euh, du post-running back, pareil, retour méga important. RJ qui sort d'une saison à 1500 yards et 16 touchdowns à la course, plus deux à la passe, il est aussi assez euh, versatile. Donc très, très 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 bon, mais surtout. Euh, je ne sais pas comment il va faire avec ce cumul de joueurs euh, malzane mais il, il enchaîne, euh, il a ramené sur le portail des transferts Penny Boone et oui moi je le connaissais bien, c'était un joueur il était à Maryland à l'époque, un ancien 4 étoiles puis il avait transféré, il était à Toledo la saison dernière 1400 yards et 15 touchdowns pour sa saison 2023-2024 donc énorme, là on est euh, grosso modo en deux running back on est à quasiment 3 milliards et euh, 31 touchdowns, voilà euh, il avait transféré. En fait, Penny Boone, c'est assez particulier parce que il, donc il a transféré out de, de, de Toledo. Il a transféré à Louisville et finalement il a transféré immédiatement à UCF. Voilà, je ne sais pas comment ça s'est joué exactement, mais euh, euh, ça a été assez euh, assez particulier. Au niveau de la o line, elle devrait être plutôt bonne avec notamment le left tackle super senior Amari. Euh, à Mary Knight, qui est une ex-grosse recrue d'Alabama. Hein. Il est très très attendu. Voilà, si vous voulez un nom euh, sur cette O-line. Au niveau de la défense, eh bien, une bonne D-line à venir avec le retour de Malachi Lawrence qui sort d'une saison à 7,5 sacs et euh, plusieurs arrivées assez, euh, assez importantes sur le portail, dont euh, Nijalik Kelly qui vient de Miami, qui était un ancien top 100, le 13e meilleur defensive end disponible sur le portail. une Très très grosse recrue. Et puis, on a également la recrue top 100 de 2023, le defensive tackle John Walker, qui est aussi à surveiller, qui va sûrement voir beaucoup de terrain cette année. Au niveau des linebackers, deux recrues du portail avec pas mal d'expérience qui viennent de Vanderbilt et Texas Tech. Voilà, je vous le dis, hein, tout joue sur le portail, là, sur, sur cet effectif. Et c'est pour ça qu'il va falloir que ça clique vite également. On est dans l'ère moderne du college football, tu peux construire ton équipe via le portail. Ça marche, ça ne marche pas, mais bon, c'est des décisions qui sont faites par certains coachs. Au niveau des DB, le meilleur cornerback a transféré euh, du côté de Louisville. Hein. Euh, bah, L'ancien 4 étoiles, Antion Jackson, arrive Carolina pour pallier. Il était freshman l'année dernière, donc il reste jeune. Il y en a sous la semelle, ça peut, être, euh, ça peut être pas mal. Et puis, la paire de safety arrive de Cincinnati. On a les deux safety titulaires de Cincinnati qui restent en Big 12, mais qui vont du côté de UCF ensemble. Dishon Pace, qui sera euh, la pièce maîtresse, avec 80 plaquages, 1,5 sac, un fumble forcé et un recouvert, 5 passes défendues et une interception la saison dernière. Et Brian Threats qui arrive avec, euh, bah, dans ses bagages, 57 plaquages, un sac, un fumble forcé, 2 interceptions et 6 passes défendues en 2023. Au niveau du calendrier, le calendrier qui démarre tranquillement face à New Hampshire à la maison, euh, puis ensuite face à Sam Houston également à la maison. Donc, normalement, tu es à 2-0 là. Déplacement un petit peu tricky du côté de TCU pour la troisième semaine. Euh, réception de Colorado. Déplacement à Florida chez les voisins. Attention pour cette cinquième semaine avec un match qui s'annonce très intéressant. Euh, réception de Cincinnati. Déplacement à Iowa State. Réception de Brigham Young euh, et puis d'Arizona. Déplacement à Arizona State. Déplacement à West Virginia. Et réception le 29 novembre, le vendredi 29 de Utah. Alors, sur quoi j'ai planché Eh bah, ben, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Au minimum, on est quand même à cette victoire pour cinq défaites. Je la sens bien quand même euh, cette saison de, de UCF. Tu as au moins, moins 2-0 avec les deux premiers matchs. Tu peux prendre Cincinnati, tu peux prendre Brigham Young, tu peux prendre les deux Arizona. Euh, West Virginia aussi c'est possible voilà. et puis ensuite Colorado c'est encore un gros point d'interrogation euh, TCU c'est pareil c'est un gros point d'interrogation c'est toujours compliqué hein, je le dis à chaque fois mais c'est compliqué de prévoir la Big 12 là, comment ça va se passer donc je pense que tu peux au moins prendre les 7 victoires au maximum je dirais 8 victoires pour 4 défaites par contre voilà. les défaites que je prévois que je vois le plus, quand même, ça peut être TCU, ça peut être Florida, ça peut être Utah et ça peut être Iowa State. C'est euh, ce qui me. là où je penche le plus du mauvais côté de la balance pour, pour UCF. Mais dans tous les cas, encore une fois, en hein, saison positive, un bowl l'équipe qui continue de s'agrandir et de se construire, il euh, y a pas mal de joueurs intéressants, même dans ceux qui ont transféré, c'est pas que des joueurs qui sont seniors ou euh, juniors et qui ont bientôt terminé leur carrière universitaire, donc pourquoi pas. La deuxième équipe, West Virginia, les Mountaineers, on va du côté de Morgantown, dans la Virginie Occidentale. Alors, pour ceux qui connaissent pas cet état, c'est un petit, un petit état, un petit peu euh, au milieu de, de tout, mais euh, il ne se passe pas grand chose. Morgantown, c'est la plus grosse ville, mais tu n'as que dalle à part la fac. Euh, c'est un état très pauvre. Il y a beaucoup de problèmes de drogue, etc. Euh, voilà, c'est vraiment. Euh, ce qui est considéré comme les États euh, hillbilly un peu des États-Unis. Euh, très particulier, la Virginie-Occidentale. Donc, qui dit particulier, qui dit État avec euh, une petite ville en ville principale, avec la fac, le campus, etc., dit équipe très suivie, équipe très supportée par les locaux. West Virginia. 9 victoires pour 4 défaites pour la saison 2023-2024, c'est juste exceptionnel on s'y attendait pas du tout et notamment 6 victoires pour 3 défaites en conférence euh, voilà il y a, y a rien à dire, c'est assez euh, c'est ultra surprenant, c'est surprenant mais dans le bon sens c'est très très positif ça euh, des victoires face à Duquesne face à Pitt, donc les voisins entre guillemets Pitt et, et Pittsburgh est quand même vraiment pas loin de, de Morgantown Texas Tech, TCU, UCF, BYU, Cincinnati et Baylor. Donc des belles victoires hein, face à des bonnes équipes. Et puis des défaites face à Penn State, qui était 7e au classement et People. Face à Houston, 41-39. Donc ça s'est joué à peu. Oklahoma State et Oklahoma, qui étaient 17e au classement et People. En gros, des défaites euh, face à des bonnes équipes, hormis Houston. Allez, Houston reste quand même une, une équipe correcte. Mais bon. Euh, Penn State, Oklahoma State, Oklahoma c'est pas, pas ridicule de perdre face à eux quoi. et puis il y a cette victoire en Duke's Mayo Bowl du côté de Charlotte en Caroline du Nord, face à North Carolina victoire 30 à 10 donc énorme saison euh, vraiment de West Virginia, j'insiste là-dessus et il termine 25 e au, au classement High des coachs donc pas des journalistes mais des coachs au niveau du coaching staff, justement, on a Neil Brown qui repart sur une sixième année. Il a 31 victoires pour 29 défaites en 5 ans. Neil Brown qui a clairement sauvé sa tête sur cette saison parce que de base, il était sur la haute site. Et eh oui, euh, donc voilà, West Virginia joue la stabilité, c'est très bien. Le coaching staff ne change pas d'ailleurs. RS autour, euh, autour de Brown. Au niveau des commits, c'est la 46e meilleure classe pour 22 joueurs. Euh, deux joueurs 4 étoiles, donc très bien hein, pour un programme euh, comme celui-ci. Ils ont récupéré trois to du euh, top 5 des euh, joueurs lycéens de l'État. Ça, c'est pareil. Recruter localement et recruter bien, c'est ultra intéressant. C'est. Moi, j'adore. Moi, vous savez. Hein, je pèse quand les joueurs euh, partent du Maryland. Donc, euh, c'est pas moi qui vais cracher sur euh, les types qui restent, euh, qui restent dans, leur, euh, dans leur état. Et puis, ils ont récupéré le meilleur tight end de Juko aussi. Toujours intéressant. Voilà. Au niveau des transferts, 48e classe du pays pour 13 transferts. Il y a deux anciens 4 étoiles, dont un linebacker qui était top 100 de la recrue ly lycéenne, enfin de la QV de, des recrues lycéennes 2021 et qui évoluait pas très loin du côté de Ohio State. En hein. pareil Columbus, c'est pas la ville la plus éloignée de Morgantown. Au niveau de l'effectif, l'attaque. Eh ben, C'est la même room au niveau des quarterbacks que l'année dernière, avec le retour de Gareth Green, le titulaire, qui avait lancé 2500 yards, 16 touchdowns et 4 interceptions, et surtout couru 770 yards pour 13 touchdowns. Euh, il aura comme remplaçant Nico Marchiol, hein, qui a participé à 9 matchs la saison dernière et qui a un 4 étoiles de 2022, donc une bonne cube et room, euh, toute somme faite. Toute somme au niveau des receveurs, il bah, n'y a pas grand chose à dire. Hein. Le meilleur receveur est parti. On a deux arrivés sur le portail, mais il n'y a rien de très spécial, on va dire. Il y a quand même le Thailand Cole Taylor qui sort d'une saison à 450 tiers des 4 touchdowns. Qui est plutôt pas mal. Voilà. Au niveau des running backs, c'est une bonne room. Il y a les deux running backs principaux qui sont de retour, J.M. White et C.J. Donaldson. Il cumulent à eux deux 1640 yards et 15 touchdowns. Donc, ça, c'est pas mal. Hein. Ça va beaucoup jouer à la course. En plus, Garrett Green aussi, un hein, coureur en tant que quarterback. Euh, voilà, on sait que ça va jouer au sol. Sachant que la all line a été plutôt bonne l'année dernière. Hein. Il y avait le centre Zach Frazier qui est parti au deuxième tour chez les Pittsburgh Steelers euh, cette année à la draft. Et puis, Doug Nester aussi qui est parti. Mais globalement, on est une line d'expérience. Il y a pas mal de vétérans qui ont vu le terrain euh, et puis qui sont assez polyvalents. Ils ont fait jouer à plusieurs postes là, pendant la off-season, etc. J'ai lu sur les reports. Donc, euh, donc voilà, on ne devrait pas trop galérer à ce niveau-là pour les Mountainers. Au niveau de la défense, la D-line qui reste intacte, elle n'était pas top l'année dernière. Elle était au mieux correcte, mais sans plus. Il y a quand même deux transferts d'expérience qui arrivent, un de Troy et un de FCS. Voilà, si vous devez retenir un nom là-dessus, Thaï French, assez facile, Thaï Français. Euh, mais euh, rien de trop, de trop spécifique. On va voir comment ces deux transferts se, se développent. Au niveau de euh, la room linebacker, et ben, comme l'a dit elle, hein, on ne touche pas trop au poste. Il hein, n'y a rien de fou. Alors, je le disais, il y a ce transfert qui arrive d'Ohio State, Red Carico. Euh, qui est euh, bah, qui était le huitième meilleur joueur euh, le huitième meilleur linebacker lycéen de 2021 il n'a pas trop vu le terrain au Ohio State je sais pas c'est pour des blessures ou quoi je je vais pas vous mentir hein, je je connais pas trop le profil euh, mais c'est le gros nom qui sera dans cette room et puis au niveau des DB et bah, on a le meilleur DB qui est parti Bini Bishop le cornerback qui est parti lui aussi chez les Pittsburgh Steelers euh, après avoir terminé First Team All American l'année dernière, 20 passes défendues et 4 interceptions. Impressionnant. First Team All American pour un joueur de West Virginia. C'est juste formidable. Au niveau euh, bah, des deux euh, des deux nouveaux euh, cornerbacks titulaires, on aura Aiden Garnes qui arrive en transfert de Duquesne où il a posté 10 passes défendues pour deux interceptions. Et TJ Crandall qui arrive de Colorado State qui a un petit peu d'expérience, il me semble. Les safeties ne changent pas en revanche. Le calendrier 2024, eh bien, ça démarre fort avec de nouveau un match face à Penn State à domicile cette fois-ci, puis ensuite un match face à l'université d'Albany. Albany, Albany c'est dans le nord de l'état de New York. C'est pareil, c'est une petite ville dont la fac prend la moitié. Euh, réception donc d'Albany, déplacement à Pittsburgh. Pour l'instant, on reste vraiment à côté. Hein, tout est à côté. Penn State, euh, Albany, Pittsburgh, c'est tout dans la zone. Déplacement à Pittsburgh en, en troisième semaine. Puis ensuite, on reçoit Kansas. Déplacement au Club State, réception d'Iowa State et de Kansas State. Déplacement à Arizona et à Cincinnati. Réception de Baylor et UCF. Et puis déplacement à Texas Tech. Au pire. Je vois une saison à 4-8, ça se passe très mal. Voilà. Au mieux, je vois une saison allez, à 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. Ouais, allez, à 7-5. Euh, 7-5 en meilleure saison. Mais je planche quand même. C'est toujours pareil, hein, tu es obligé de couper la poire en deux. Je planche quand même sur un prono de 6 victoires pour 6 défaites. Euh... Victoire, tu as au moins Albany de sûr. Le déplacement à Pittsburgh, je pourrais le prendre comme une victoire. Euh, tu peux toujours surprendre un hein, des deux Kansas à domicile. Tu peux aller gagner à Arizona. Arizona, j'avoue que c'est un gros point d'interrogation aussi. Et puis tu peux t'en sortir. Le déplacement à Cincinnati. T as euh, Baylor ou Texas Tech aussi voilà tu peux avoir tes 7 victoires comme tes 6, mais tu peux aussi aller complètement dans le sens inverse c'est le problème de cette victoire hein, c'est que toutes les équipes se ressemblent et que du coup il pas de y a pas de... de statut définitif sur euh, sur les pronostics et sur comment la saison va se, va se dérouler c'est terminé et Texas et Oklahoma qui... qui te promettent quasiment une défaite et encore Oklahoma la saison dernière il y a eu beaucoup d'errances. Hein. mais euh, mais voilà assez euh, assez intéressant à suivre euh, en tout cas ces deux programmes UCF et West Virginia là qui sortent de saison euh, enfin UCF tout le recrutement etc tout ce qui se passe le fait que ce soit head coach et que ce soit une fac en plus ultra suive parce que c'est une fac euh, c'est une des facs avec le plus d'étudiants euh, dans le pays euh, voilà il y a, y a tout ce côté où tu te dis l'équipe, elle peut être bonne, voire très bonne, mais il faut voir ce que ça donne. Et puis uh, West Virginia qui sort d'une saison ultra surprenante, est-ce que ça va continuer ainsi On voit que l'équipe, elle n'a pas fondamentalement trop bougé. Ou que là où ça a bougé, ils ont été essayer de chercher des joueurs assez intéressants, un petit peu sous côté etc. Donc euh, non, assez euh, assez intéressant euh, à, avoir, euh, à avoir bossé sur cette preview. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt. À la prochaine.